Hello tout le monde, c'est Mio, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour l'épisode 11 de Jurassic World Evolution 2. Alors, on en était où? On en était là. Il est où mon pépère? On avait réussi à créer le tyrannosaure. Et du coup, il est parti se cacher là, je voulais. Tu es où, pépère? Caché. Je suis aveugle. Où est-ce qu'elle bouge la forêt? Elle bouge par là. Ah ah! Je t'ai vu! Je t'ai vu, pépère! Tu fais quoi? Tu fais quoi? Oui, on dit bonjour aux abonnés, t'as raison. C'est bien, pépère. Allez, va te promener. Oh! Ouais! On a presque 4 étoiles! Donc il va falloir que fermer le rapport. Que dans cet épisode, on arrive aux 5 étoiles, je pense. Donc oui, bah c'est ça. Décroche une note du parc de 5 étoiles. Ah bah ça y est, j'en ai 4. En live direct. Augmente le nombre total d'espèces de dinosaures et les visiteurs, c'est bon, on les a torchés. Donc, il me manque 3 espèces. Et oh, dis donc, on coupe pas la parole, hein? Ah, pas bien, hein? Tu vas te calmer, toi. Du coup, là, il n'y a personne. Je vais le laisser fermer pour le moment. Parce qu'il y a 3 pécores et ça suffit pas pour être rentable. Hé, hey, il s'énerve, là, le pépère. Tu dois te détendre, hein? Non, mais oh, c'est qui le patron ici? Bon, c'est toi, t'as raison. Du coup, les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi, j'ai encore un petit peu mon rhume. Mais ça va passer, c'est pas grave. Véhicule menacé, ça c'est qui? C'est qui? Il est où? Ah bah oui, ça m'étonne pas. Ils sont partis faire chier le T-Rex. Ils sont cons ou quoi eux? Il est pas content. Donc, on en était où? Oui, voilà. J'avais remis des raptors parce que le mien, mon dernier raptor avait disparu. J'avais du coup créé l'enclos du T-Rex et du coup on avait notre petit T-Rex. J'avais amélioré les allées et... Oh, bénéfice négatif, ça c'est pas bon. Configurer, qu'est-ce qu'on fait? Fontaine, voilà. Bon. On va faire ça. Oh, les trissés se battent. Mais ils se battent toujours, ceux-là. Donc, les amis, on va essayer dans cet épisode de trouver, du coup, des nouvelles espèces. On avait commencé, d'ailleurs, je sais plus comment ils s'appellent. On avait déjà des fossiles de Dryosaurus. Voilà, donc on va continuer d'aller en chercher. Je voulais de l'apatosaure aussi. Et puis pour le dernier, on verra. Mais on les mettra tous ensemble de toute façon. Et je leur mettrai peut-être les Compsognathus avec. Et je vais aller faire un enclos juste là, là. Tout là, un grand enclos. Derrière les raptors. Et du coup... Ah oui, j'avais un de mes abonnés qui m'a conseillé du coup d'affecter une EVM, l'EVM à chaque enclos. Et une équipe de capture comme ça, dès que les... Dès qu'il y en a besoin, il s'en occupe automatiquement, que ce soit pour les soigner, pour faire des scans. Il est où celui-ci? Il est là. Donc surtout chez les raptors. Donc merci Alain si tu passes par ici. Merci pour tes précieux conseils parce que c'est tout bête, mais tu vois la preuve je l'avais pas fait. Ça c'est tout moi ça. Donc on va en mettre chez tous les raptors pour les patrouilles. Pour les scans et aussi pour si jamais ils deviennent agressifs, bah au moins l'équipe de capture sera au taquet. Toi, hop. Et hop. Voilà. Je vais pas les mettre chez les herbivores. Ça, je le ferai manuellement si besoin. Parce que sinon, il y a déjà 4 enclos et il n'y a que 5 emplacements. Donc après, ça va me bloquer si j'ai une urgence autre. Donc voilà, ça je le laisse désactiver. Donc bah c'est parti, on va aller en expédition. J'espère que mes
que mes équipes sont dispo. Bah lui, ça j'ai fait. Ensuite, on en a beaucoup ici. Le Diplodocus, Camarasaur, ah, Dudriosaurus. On va les chercher ici. Après, si on ramène les autres, tant mieux. Expédition. Oula, ils sont fatigués, les pépères. On va aller mettre des scientifiques au repos. Parce que ils vont nous péter une durite. Toi, va te reposer, toi, va te reposer, et toi, va te reposer. Et il y en a un, il se tourne les pouces. C'est la fête du slip. Alors, lui, il va. Si possible, il va rien faire parce qu'il est nul. Allez hop. Voilà, bah je vais rapidement faire un petit tour pour checker un peu les bénéfices et tout ça. Et puis, il y a 5 trucs en panne là, c'est quoi? Ah oui, il m'avait dit aussi, je suis bête. Il m'avait dit aussi d'améliorer, de faire des recherches au niveau électrique pour éviter justement d'avoir à remplir. Sans arrêt, parce que ça coûte la peau des genoux. Voilà. Hop, donc là je fais un dernier petit tour. Et je vais de ce pas aller faire des recherches. Oh non, hein, un ouragan? J'ai bien entendu? Non, 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 je suis pas d'accord. Attends, 2 secondes avec ton ouragan. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Du Dryosaurus, encore, encore. Ça se vend, c'est trop bien. Et du Camarasaurus. Toi, t'étais pas prévu au planning. Hein. Ben, du coup, c'est cool. Donc, je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Ou pas. Du coup, je vais mettre ça. Et je vais mettre ça à la place. Et là, on va affecter des scientifiques. Parce que ils se sont tous reposés, ça déchire. Synthèse, extraction plus rapide. Allez, go. Go, Paredes. Ok. Du coup, putain, il va y avoir un ouragan. C'est pas possible, regarde, il fait beau à mort. Bon. J'en étais où, en fait? J'avais même pas fini. Oh non, 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 c'était pas une blague. Oh, vite, 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 ouvrir les abris. Je veux pas qu'il y ait de problème. Ils sont où, mes abris? Ah, moi j'ouvre, ouais, je m'en fous. Parce qu'ils vont mettre 3 jours et demi à rentrer. Je suis sur l'enclos du tiré. Pourquoi il l'a endormi? Pourquoi? Il a rien fait. Ah ouais, ouragan, donc il l'a endormi d'office. Eh ben non, il a réveillé Pépé. Donc, ah bah ça y est, allez hop, déjà une clôture en panne. Pété, allez, et d'ailleurs, je vais. Déjà d'avance retirer les arbres parce que je suis sûre que ça va me gêner pour réparer la clôture. Hop, allez, on anticipe. Toi là, ajoute une tâche, répare-moi ça. T'es juste à côté là, déconne pas. Donc, blessure, allez hop, il y en a un qui est blessé. Allez. Va dans ta forêt, toi, par là-bas, là, pour voir si il est bah... Allez, allez, faut que je guette, là. Je suis au taquet. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est lui qui me blessait. Allez le soigner, le petit, là. Ouais, il ça va, il s'est. Ensuite, du coup... Ajouter une tâche. Ça. What? Non, 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 c'est quoi? C'est quoi, c'est quoi? C'est quoi, c'est quoi? Oh non, c'est ça, on s'en fout, on verra après. Non, ça, faut pas le péter. Ça, non plus. Ah, il a plus d'emplacement. Bah, je vais prendre l'équipe de garde 2 qui se font. Ils s'embêtent. Là. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave, ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Les générateurs, c'est grave. Bref, on va faire dans le coin. Bon, ça dure combien d'années, ta tempête, là? Ça y est, ça se calme. Ça y est. Ça y est. Ici, tout va bien.
Ici, il va le réparer. Ici, ils vont bien les bébés. Ils vont bien. Ça va se passer. Ouais. Ah, je suis pas dessus. Hop, tu répareras ça. J'ai plus d'emplacement. Vous, c'est pas la fête. Vous allez réparer ça. Ça. Ok, après ça. C'est bon, je peux rouvrir mes abris. Ils sont où? Non! Pause! 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 Pourquoi? Pourquoi ils sont là, les bébés? Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'ils font là, eux? C'est la fête du slip? Ah non! Oh non! Oh non, mon dilophosaure, il est mort, le bébé! Est-ce qu'il y en a d'autres? Oh, ça veut dire qu'ils vont suivre les autres! Oh, je suis deg. Hop, pause. C'est quoi ça? Saint-Jean? Saint-Jean. Et là, là, les bébés, là. Ça va pas ou quoi? Il est où mon véhicule, là? Mon écho. C'est toi? Non, toi, tu vas chercher l'autre. Alors, équipe de capture, les gars. Yo, merde, qu'est-ce... Non, non. Capture, j'ai dit, tranquille. Qu'est-ce que tu fous, toi? Non, qu'est-ce que je fais? Capture. Ajoute une tâche. Retirer l'assignement et tu le laisses tranquille. Toi, tu vas faire clac, clac. Hein, pas beau quoi. Ok, il n'y en a pas d'autres tant que j'y suis. Ah, si, si, hein. T'en es un, il s'est barré par là. Et t'en as un, il s'est barré par là. C'est la fête des slips là-dedans. Allez, on va se promener normal, tranquille. Tranquille, tranquille, allez. Bon, tu vois, à chaque fois, faut que je fasse ça. C'est ça qui m'embêtait. C'est pour ça que je l'avais pas fait, en fait. Hop, voilà, 4. Et les deux autres sont à l'intérieur. Play. Rentrez à l'intérieur, les gars. Restez, restez à l'intérieur. J'ai des dinos en liberté qui avait soif, qui est parti picoler. Et lui, je crois que c'est ce qu'il va faire aussi. Bah la tienne, hein, tranquille, l'eau elle était pas bonne chez toi. Et lui, regarde-le là. Elle va fond la caisse. Oh, 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 regarde la vitesse. Oh. Vous allez où les gars? Y'a personne à manger, hein. Y'a pas de bectance ici, hein, oublie. Bon allez, endors-le. Et après, faudra réparer ça. Oh, tu te calmes. Sélection multiple, transporter lui. Oui. Lui, qui s'est cru, je sais pas où. Attends, je vais pas. Et lui. Merde. Et lui. Et on va les mettre. Confirmer. Ici, bébé. La cible doit être évacuée. On va chercher la cible. Voilà. C'est bon, tout est bien refermé. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Des recherches. Des recherches d'électricité. C'est là. Ah bah, je peux pas. Je suis à fond. C'est quoi ça? Permet de produire l'électricité en continu et de la répartir dans l'ensemble du parc. Ça marche comment? D'accord. Je vais tester. Je vais mettre ça. Je sais pas, est-ce que je peux mettre ça là? Oh!
obstacle. Cible à destination. Ouais, donc à chaque fois. Je fais n'importe quoi. Faut que je le fasse passer partout autour, quoi. Je fais le tour, on s'en fout, ça ressemble à rien. Ok, ça marche au moins. Ah purée, les bénéfices de tout ça, c'est flingué. Attends, faut peut-être que je ressorte les gens dans leur ville. Eux, ils restent là-dedans, normal. Allez, sortez, là. Et ça, c'est... commotion cérébrale. Du coup, je peux pas le soigner comme ça. Contrôle de routine requis. Faut que je remette... équipe de garde. 5, 7, 12. Ouais, faut que je le remette. Ajouter une tâche. Mais toi, va pas chatouiller le T-Rex, t'es cinglé. Tu tiens pas la vie. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? N'importe quoi dans ta vie, toi. Hop. Va voir les pépères, là. Ah, mais il y a déjà lui. Ah, il est venu remettre de la bouffe. D'accord. Donc là, c'est bon. Faut réparer ça, visiblement. Ok. D'accord. Encore les tricés qui soient. Fracture grave, donc lui, il faut que je le transporte. Il faut que je l'endorme. Aucun problème. Et du coup, tu vas m'endormir ça. Tranquillisant. Non, lui, je crois que c'est pas la peine. Je pense qu'ils peuvent s'en occuper. Je vais voir avec le VM. Est-ce que je peux le sélectionner à partir d'ici? Afficher. Ajouter une tâche. Je peux rien faire. Faut que j'endorme. Ah merde. Je m'endorme alors. Toi, t'en vas pas. Tu vas m'endormir. Et chacun leur tour. On va transporter lui là. Et du coup, on va mettre en bien-être. Tiens, t'es spécialiste, Fire. Demande de récupération reçue 5 sur 5. Rétablis mon petit bébé. Lui va bien, petit pépère. Personne n'y vient. Il est où? Bon. Là j'avais un mort, je crois. Hey, toi, arrête de courir. Oh le petit. Alors lui va bien. Lui aussi. Lui aussi. Et là, il va bien. Lui aussi. Ok, bah ils vont tous bien. Ils ont dû venir le retirer d'office. Ah, oui, c'est vrai que j'avais affecté l'équipe. Alors, du coup, est-ce que j'ai réaffecté tout le monde là? Parce que. Là, oui. EVM garde, c'est bon. Toi, je veux le truc, moi. Là, c'est bon. Et là, il y a tout le monde qui est affecté. Aucune équipe de capture. Livraison confirmée. Hop, voilà. On en est là. Lui, c'est bon. Il est en train de se faire soigner. Donc, 1 minute 32. Parfait. Je vais voir si je peux faire de nouvelles extractions de fossiles. On va mettre celui-là. Et celui-là.
Et on va mettre extraction plus rapide. Yeah. Let's go. Petite trieuse russe. Je vais retourner voir si je peux faire des expéditions. C'était quoi l'autre? Du Camarazor. Ah bah je peux y retourner. Let's go. Let's go. Expédition. Toi, t'es beaucoup plus efficace. Et on peut ramener du Camarazorus ou du Apatosaurus. Tout le monde va bien, le bébé? Donc ensuite, est-ce que l'autre c'est bon ou pas? Dans 20 secondes. Lui, il reste combien de temps? Oh, 7 minutes, je suis tranquille. Quoi, il y a encore une tempête? Ou c'est juste il pleut? Moi, juste il pleut, c'est tout. On va peut-être commencer à construire l'enclos, du coup. Ah, ça y est, c'est fini. Toi, transport. Non. On va récupérer la cible. Et du coup... là, pourquoi tu lui roules dessus, toi, t'es sérieux? Mais ils sont cons ou quoi, eux? Eh, vas-y, je vais les achever. Ah là là, ils sont en train de rouler dessus. Attends, mais toi, là, je vais te dézinguer. Non, là. Pourquoi vous êtes con comme ça? C'est dingue d'être con comme ça. D'ailleurs, ils sont où, mes dinos? Ah. C'est une autre photo, c'est là. Yo. Je sais pas, mais de toute façon je vais le désessayer là. Voilà. Rentre chez toi. Mais il va repasser dessus. Non, c'est bon, je vais enlever. Wow! Donc ça marche pas le bordel là. Pourquoi c'est à zéro? Ça le remplit pas hein, et c'est toujours aussi cher. Donc là, j'ai dû me gourer dans un truc. Bon, bah, je vais retourner voir dans les recherches. Peut-être qu'en ayant mis les poteaux, là, j'accède à un truc. Peut-être, hein, je sais pas. Non. Construire un bâtiment opérationnel central électrique petite. Mais je l'ai pas, ça. T'as vu ça où, toi? Ah, ça doit être pour ça que ça marche pas. C'est quoi, ça? Ça, c'est générateur de secours. Centrale électrique petite. Poste électrique petit. Ah, petite? Ah, c'est petit. Bah oui, c'est petit, hein, tout à fait. Il est moche. Hop là. Et on va faire... ça, c'est bon, je l'ai fait déjà. Et on va faire un chemin. Hop, on va le faire passer là, entre deux. Voilà. Et est-ce que j'ai... C'était quoi l'autre truc? Poste électrique alimente toutes les structures alentours en électricité lorsqu'il est relié à la centrale électrique par des pylônes. Il doit être relié à des postes électriques pour alimenter... D'accord, à des postes électriques. D'accord. Je comprends pas. Je ne comprends pas ce que je fais. D'accord, faut que je le relie à un pylône. Voilà, du coup, c'est relié là. Tout ça, c'est relié au même truc. Non ? Je sais pas ce que je fais. Non. C'est ça que je voulais mettre. Toi, dégage. Les gars, on ne se moque pas. Je sais pas ce que je fais. Je crois que je fais de la merde. On va mettre là.
Que je relie à tout et puis ça ira bien. J'en mettrai un là. Oh, j'ai un dinosaure mort encore. Penché. Je vais relier. Voilà. Eh oh, tu te calmes, pépère. C'est bien ce que je dis, ça sert à rien du tout. Attends qu'ils se construisent. Ah si, c'est bon. Oh, mais enfin, lui, il est toujours vide, du coup. Est-ce que je dois les enlever, maintenant? Puisque ça, c'est relié. Est-ce que je peux les détruire? Du coup, vu que j'ai mis les pylônes, ça doit plus me servir. Comme ça, je vais pouvoir jarter toutes les... tous les trucs là. Si tout va bien. Je vais laisser ce consommer tout. Waouh! Casse-toi. Le père, tu te calmes là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais oui, c'est ta forêt. Il est trop bien son petit coin là. Hey, pourquoi il lui tire dessus? Ah, pour calmer. Bon, un petit seum, ça lui fera pas de mal. Alors, toi, t'es soigné. Hop, tu vas retourner chez toi. Allez, va voir tes petits frères. Hop, on aura bientôt récupéré. C'est parfait. Ensuite, nous, on va aller voir ce que ça... dégage-toi. Hop. Ce que ça donne ici, j'en suis où? Alors, on vend, ça c'est quoi? Dryasaurus. On en a encore un peu là. On en a là. Ça c'est du Camara. Bon bah le prochain ce sera le Camara clairement. Et du Dryasaurus. On va mettre ça. 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 Non. On va mettre que les petits. Ouais. Extraction. Hop. Go. Au boulot. Du coup, on va retourner en expédition. On va aller chercher. Là, je ne peux plus. Diplodocus, Diplodocus, Tri, tes souhaits. Camara. Camara. On va aller là, il y a plus de chances de ramener des choses. Toi, let's go. Ensuite, ouais, je vais attendre d'avoir le génome complet du Dryasaurus avant de faire un enclos parce que ça pompe pour rien. L'extraction est terminée. Qu'est-ce que, bah, il me reste quoi? Il me reste un petit peu de Dryasaurus, bah, c'est les 5% qui manquent. Ici, j'ai du Camara et du Camara. Eh ben allez, let's go, en tant qu'à faire, vous faites chier, ben, on va vous donner du boulot. Bah toi, hein, toujours, hein, tu iras à la sieste après, tranquille, hein, tu iras faire un petit dodo. Le dinosaure mort, il est où, le bébé? C'était par là. Ils l'ont retiré, ça y est? Non, il y en a un nouveau. Struthiomimus, ça devait être un des derniers qui restait. Allez. En cours d'évacuation. Au revoir mon petit, nouveau génome complet, super. Et bah let's go, on va aller faire notre petit enclos. J'hésite à le faire ici. Objectif du coup, comme ça les gens viendront un peu plus de ce côté là ou par là. Bon, comme ça, là il y a plein de verdure ici, comme ça, ça attirera un peu plus les gens, parce que ça, ça sert à rien, je vais le faire là en vrai. Allez, voilà, te détendre. Donc là, c'est alimenté, mais pas là-bas.
Du coup, je vais mettre un pylône. Je vais raccorder un pylône. Il est où, lui? Là, il y en a un, là. Ah, je suis en dehors des limites. Hop. Est-ce que ça va marcher? Nickel. Nickel, nickel. Bon, après, il n'est pas très beau, l'enclos. Je vais virer tout ça. De l'eau, il y en a trop. Ensuite, je vais virer, parce que je n'ai pas envie qu'il soit malade, je vais virer tout le bordel qui traîne autour, parce que je ne sais pas ce que c'est. Je veux pas qu'il me chope des conneries à bouffer de la merde. Je vais tout virer, ça coûte cher, mais c'est comme ça. C'est pour le bien-être de mes petits bébés. Voilà. Voilà. Sans électricité, où ça? De quoi, de qui? Où? Ah. Donc on va faire... On va faire ça. Ça, je vais le virer. Hop. Normalement, c'est bon, hein. Je peux tous les virer. Mais tant que j'ai payé, autant que j'utilise, hein. Attends, pourquoi? En tout cas, merci encore Alain pour ce précieux conseil. Alors oui, ça ressemble à rien. Clairement, mon parc est dégueulassement moche. Clairement, il y a des pylônes partout. C'est clairement moche. Mais c'était un test. Je ne savais pas comment ça marchait. Mais en tout cas, c'est bien pratique. Je vais pouvoir virer toutes mes générateurs, tous mes générateurs trop moches là. Mais du coup, ça va plus utiliser en vrai. Si, ça utilise un petit peu encore. Je vais laisser se vider. Qu'est-ce qu'il a lui? Oh non! Non! Encore un bébé! Cible en cours de récupération. Ah, Vélociraptor qui se fight? Quoi? Non, je suis pas d'accord, ils sont où? Ils sont où les cons? Bon, lui dort, il s'en fout. Ah, c'est eux. Bagarre, panique. Cherche à manger. Ah, les bébés. Qu'est-ce que tu fais? Les glaces. Oui. Oh bah, il a trouvé à manger. Bonne avis. Ok, qu'est-ce que je faisais? Voilà, ça c'est moi. Je me distrais, j'étais en train de faire un truc et ben, je sais plus ce que c'est. Je faisais quoi? Mais lui, pourquoi ils l'ont encore endormi? En plus, il est juste en face. Hop, tu veux voir? Bah, tu l'as vu. Le pauvre. Il possède une des mâchoires les plus puissantes du règne animal. Ouais, ce terrible prédateur peut non seulement briser les os de ses proies avec aisance, mais aussi écraser une voiture entre ses dents. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Coucou. Crie pour moi. Allez. Mais j'en ai entendu. Tu peux mieux faire. Allez! Bon bah, casse-toi. Ouh, on a 4 étoiles et on commence à avoir la 5e. Let's go! Allez, c'est parti. Je vais retourner. Non, j'avais été en expédition. Est-ce qu'ils étaient revenus? Du coup, je suis même pas le délire. Moi, je suis pas concentrée là. Ah, apatosaure. Camarasaure, camara, apa. Vendre. Du fric. Bon, on va continuer le... Hein? Diplodocus? Mais je t'avais pas vu, toi, t'étais pas là l'autre jour. Non, je fais n'importe quoi. On va continuer le Camara, tant qu'à faire. Camara. Et il prend toute la place. De toute façon, je peux rien mettre d'autre avec. Si, je peux mettre lui. On fera la pâte aux arbres. On va mettre tous ensemble, allez. Et enfin, je vais vérifier d'abord qu'ils s'entendent bien, parce que sinon... ça peut le faire. Parce que des grands trucs comme ça qui se battent, à mon avis, ça va faire trembler la terre. Alors, synthèse plus rapide, expédition, bien-être, extraction. Extraction, après, promis, tu vas te reposer. Promis. Toi, tu vas aller faire une petite expédition, me chercher de nouveau. Expédition plus rapide. Après, promis, je te laisse tranquille. Enfin, peut-être pas promis, non, en vrai, c'est pas promis, parce qu'après, t'as encore
t'as encore un petit peu de tolérance. Alors, l'enclos, voilà ce que je suis en train de faire. Oh, la fille est perturbée. Du coup, on va mettre le point d'eau, c'est parfait. Ah ouais, mais est-ce qu'ils vont pas me dire qu'ils ont pas assez d'espace ouvert? Sinon, en vrai, je vais virer tout ce côté-là. Voilà, et là, on va mettre... je sais pas, parce que je sais pas ce qu'ils aiment. Ah, je sais. Alors, lui, il a plus de trucs, on va le virer. Hop, et on va mettre un poste. Pourquoi? Il y en a déjà un, ça marche pas. C'est pas grave, on va en mettre un à la place. C'est bon là ou pas? C'est bon? Vite, dis-moi que c'est bon. Allez, construis-toi, vite. Ça marche pas? Ça marche pas? C'est un petit peu les clôtures des méchants, ça. Pourquoi ça marche pas? Depuis tout à l'heure, ça marchait. Je comprends pas. J'en mettrai un là. Mais pourquoi il y a rien? C'est quoi le délire? Je construis une centrale ici, moi. Par contre, du coup, un chemin. J'ai un petit peu toutes mes clôtures qui sont en panne, les gars. Allez, dites-moi que ça va marcher. Dites-moi que ça va marcher. Tout ça, c'est en panne, parce que... C'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon du tout. Ça ne marche pas. Allez. Ça me casse les pieds là. Et là-bas, ça marche pas non plus. Donc en fait, je croyais avoir la solution, mais pas du tout. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je croyais que j'avais plus besoin de les rapprovisionner. Parce que du coup, c'est que des générateurs de secours. J'ai les centrales électriques. Ah bon, je comprends rien. Donc, je les rapprovisionne et puis c'est tout. Je suis nulle. Hein. Voilà. Bon, bref. Lui, il va encore prendre une fléchette dans le cul parce qu'il arrête pas d'agresser à chaque fois les. Pff, les gars, je comprends rien. Niveau de l'électricité, moi, je suis pas ingénieur. Je suis pas électricienne, j'en sais rien. Donc, je vais attendre. Si c'est ça que je voulais faire, aller voir au niveau des génomes qu'est-ce qu'ils aiment les petits. Les petits triosaurus, je vais pas les synthétiser, je vais juste regarder. Triosaurus, alors, fibre au ras du sol, feuille au ras du sol, espace ouvert. Ah. Et de l'eau 4% seulement. Oh, je vais couper un peu d'eau. Il faut minimum 3, ok. Ils aiment bien les sauropodes. Cool. Mince. Après, ils aiment pas ça et ça. Très bien. Ils aiment bien les sauropodes, c'est les longs coups. Donc c'est parfait, les petits ils vont bien s'entendre. Et du coup je vais mettre, je vais les faire le temps que je finisse. Fibre et feuille aura du sol. Fibre et feuille, donc synthèse, toi direct. Et je vais en mettre un deuxième parce qu'on va en mettre taquet les petits trous de balles qui sont trop mignons. Expédition, incubation, spécialiste, bien-être, poiture. Attends, je vais garder mon incubation pour après. Le petit triosaurus qui est trop choupi. On va lui faire un bel enclos. On va lui faire un bel enclos avec des feuilles et des fibres. Voilà. Ça, et puis on verra les autres pour leur mettre la forêt. Du coup,
déjà sélectionner des œufs. Parfait. C'est la base. Extraction, purée. Non, c'est pas ça, c'est synthèse. Incubation plutôt, je dis des bêtises, je dis vraiment n'importe quoi, ce qui me passe par la tête, allez hop. Et lui, bah... Oh, un seul. Oh. Ok. Vulnérable, vulnérable, vulnérable. Vulnérable, intolérant, interaction. Mais il est mignon comme tout lui, c'est juste qu'il est un peu vulnérable, bon, c'est pas grave. On essaiera de pas lui péter deux jambes, deux pattes. Ok, ça fera 5. Je verrai plus tard pour en remettre. Allez, toi. Hop. Et du coup, on va aller foutre l'autre en repos parce qu'elle va nous casser la tête, sinon. Je lui avais promis. Allez, va te reposer. Et toi aussi, va te reposer. C'est pas grave. On va se débrouiller sans vous. Toi, fossile. On en a des nouveaux. Lapatosaure, Camarasaure, Diplodocus, Camarasaure et... Type de gus. On va continuer le Camara. 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 Et on va. On avait commencé le. C'était le. La pâte aux or. Bah, du coup, je fais ça. Est-ce que je peux? Oui, je peux. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas retourner en expédition parce que je viens d'envoyer... Je me suis trompée dans les scientifiques, j'ai envoyé mon... J'ai mis la mauvaise. Ah, Driezeris. Il est prêt, mon petit. Il est prêt par pont aérien. Bien entendu. Demande de récupération bien reçue. Hop. Et l'autre aussi, je suppose. C'est où? C'est là. 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allez hop. Ah ben, je peux pas. Allez hop, ça c'est fait. Je ne peux pas. Tous les hélicos sont réquisitionnés. Je ne peux pas. T'es là, pépère. T'y fais quoi? Transit en cours. Qu'est-ce que tu. Ah, je dois appuyer. C'est trop beau. Allez, énerve-toi, vas-y, vas-y. Ah, il est trop beau. Hein? Qui est mort? Pourquoi? Ah, oh, c'est mes dinosaures. Je m'en fous, je vais en faire. Ben ouais, on va faire. Mort de vieillesse. Transport en cours. En cours d'évacuation. Est-ce que j'ai encore mieux? Je vais refaire des dilophosaures. Ils sont encore en train de se faire transférer. Dès que l'hôtel est terminé de se reposer, on va l'envoyer en expédition encore une fois. Les bikinis, est-ce que vous êtes contents, les bébés? Il y en a un ou pas là déjà? Je vois rien. Ils sont miniatures ou comment ça se passe? Ils sont... Il y en a un qui a été posé, je le vois pas. Je suis cinglé. Opération de transport terminée. Ah là. Le père. Hop. Oh, t'es mignon toi. Tu sais que t'es trop mignon. Ouais, tu le sais, bah oui, tu le sais. Confort 80, pourquoi, y'a quoi, il te manque quoi? T'es scellé? Oh, t'inquiète pas, tes petits frères, ils arrivent, regarde. Oh bah oui, ils arrivent. Oh. Trop mignon, lui. Il est en train de chanter une chanson, c'est trop mignon. Toi, t'as vu que t'avais des frères? Oh, ils sont contents, les bébés.
Ah oui, toi t'étais parti là-bas, c'est pour ça que je te trouvais pas. Allez, on va mettre un poste de garde. Une porte, ça peut être pas mal aussi. Et je vais mettre pour les visiteurs un panoramique. Juste là. Et je vais en mettre un. Juste là. Et je vais mettre une plateforme. Si je la mets là, elle emmène où? Là-bas, c'est nul. C'est nul, hein. Ouais, c'est nul, laisse tomber. C'est déjà bien. On va mettre un petit chemin. Voilà. Ici, on va du coup assigner une équipe. Non. J'irai moi-même. Équipe de garde. Qu'est-ce que je fais? Ils en ont chacun 3. Et ben tiens, 4 voilà. Et l'autre, on va le mettre là. Voilà. On va transférer celui-ci, le petit, par pont aérien. Les deux bébés là. On va les mettre là. On est en chemin pour récupérer la cible. Voilà. Ah ouais, mais en fait, ça dure plus longtemps. Hein. Le fait que j'ai les pylônes. C'est d'autres choses. C'est bon, ils sont reposés. On va retourner en expédition. On peut retourner ici. Let's go. Et c'est toi qui t'y colle parce que t'es la seule à pouvoir faire. Alone. On va aller voir au niveau des fossiles ce qu'il est possible de faire. Apatosaure diplodocus. Bah, de toute façon, on va mettre ça, ça, et voilà. Allez, hop, mode continuation. Extraction. Tu gères, merci bien. Est-ce qu'il y en a qui veulent aller se reposer? Tant que j'ai l'âme généreuse, là. Allez, va te reposer, Fires. Je vais la réactiver, il va y avoir des gens. Pour l'instant, ça va, ça marche plutôt bien. Donc, on verra. Hein? La visiteur de son direct. Je les ai pas vus venir. j'ai des toilettes là-haut. Il est où le beau-père? Je suis tout le temps en train de le guetter. T'es en train de regarder l'hélico, moi. Je te vois. Manger l'autre là-haut, hein. Bah tu ne mangeras pas. Regarde avec les étoiles comme il est beau. Oui. Trop beau. Trop beau. Ah, ah, il veut faire dodo. J'ai cru qu'il allait viser. C'est du dodo. Regardez-moi cette beauté de ce jeu là. Oh, oh. Vite, cassez-vous les mecs. Hein, je peux pas aller voir là. Heureusement qu'il a pas plus envie de les bouffer. Hein, parce que... Il est où, donc? Clairement, c'était une blague, hein, je m'en vais pas. Non, mais l'endormez pas, ils sont casse-pieds. Oh, il y a la lune. Ils sont idiots. Arrêtez d'endormir les gars, vous cassez les pieds. Je vais les retirer. Il est où? Voilà, il pionce quelque part, je le vois pas. Hé, hey, Biquette, tu fais quoi? Tu brilles toi.
Il est où? Ok, je ferme une seconde et tu vas reposer. Il est pas là. Ouais, ils l'ont endormi, c'est sûr. Allez, reprenez vos objectifs. Ah, il est là-bas. Ah non, il est pas là. Bah, il est là, il est là, il est là, il est là. Lui, il les a vus. Si. Ils sont où? Ah, ils sont là. Haha, t'étais pas assez rapide, pépère. Il est où? On va faire du Dilophosaur. Parce que j'en ai plus beaucoup. Ah, j'en ai plus qu'un? À quelle heure j'en ai plus qu'un? Mais attends, j'en avais 6 ou 7 là. Ah non, non, non. C'est pas bon. Toi, hop là. Hop, on va en remettre des pépères. Hein, parce que moi, il est hors de question que j'en ai qu'un seul, ça va pas ou quoi? Spécialiste en bien-être. Extraction, expédition, incubation, expédition. Bah toi, bien-être. Allez hop. Trouvez-moi des bons petits œufs. Expédition, est-ce qu'elle est revenue? La couvée déjà finie. Oh, vas-y, l'eau, t'as des chiens de trop. Diplo, appa. Diplo, appa. Bon. Et bah, let's go. Tac. 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 Let's go. Extraction. Merci bien, monsieur Paredes. Et c'est reparti, les gars. Vous repartez tout de suite. Ah, ça, c'est fini. Camara. Let's go. Expédition. Let's go. Allez, ça s'enclenche plutôt bien. On va aller sélectionner nos petits œufs. Oui, on en a des biens. Ils sont en forme. Interaction, toi, j'aimerais bien que tu sois le patron. Œufs chétifs. Non, non, ils vont être malades, c'est mort. Moi, je veux des en forme. Et on va mettre incubation. Synthèse. Vas-y, Davis, fais-moi quelque chose de bien. Sélectionner des œufs. Oh non, on en a qu'un. Ils sont trop chétifs les autres. Il va être trop faible. Dommage. Bon, allez toi là. Hop. Ça sera déjà pas mal. Ça sera pas mal. On en aura 4, 5. Plus l'autre qui est encore en vie. 6. Prêt à transférer. Regarde, je t'amène les petits frères. Regarde. Hop là. Demande de récupération bien reçue. Voilà. Hein? Il y en a que 3? Ah non, 4. 1, 2, 3, 4. Regarde, il y a tes petits frères qui arrivent, regarde. Ils vont venir. Hein? Tu veux deux. Attends, on va chercher la bouffe, quoi. La bouffe, la bouffe! Vas-y! Vas-y! Oh non, t'as encore loupé. Ah ah. Bon, on va dire qu'il l'a eu. Et ensuite, on fera l'autre. Donc, l'expédition est terminée. On va pouvoir à nouveau extraire des fossiles. On va faire Camara et vendre. Camara. Ah, dégage. Camara. Yes. Je suis trop riche. Extraction. Ok. On n'a pas terminé encore. Hein. Est-ce qu'il y a encore... est-ce qu'il y a moyen encore? Là, c'est fait. Diplodocus. Diplodocus, on va aller ici. 7. Wow.
Bah, toi. Allez-y, tous les deux. Ok. Là, j'ai pas le choix, faut que j'attends. Pépère, elle se promène, tout va bien. Tout va bien. Manque de proie. Oh, c'est pas bon, ça. Mais c'est pas bon. Il est vide, le bordel, ou quoi? Bah non, il y en a plein. Ah, attends, je t'en refoutrai un, tu vas voir. La cible est en cours de transport. On va te remettre un petit mangeoire, mon petit. T'inquiète pas. Je vais la mettre là, là, devant tout le monde. Hop là, va manger, va. Viens, ma bête. Il est où? Ah, il est là, justement. Tu l'as vu? Tu l'as vu, hein? Ouais, tu l'as vu, je vois ça. Allez, bon app. Tu dors tout le temps, toi, dans ta vie, oh. Oh. Ok. Alors, c'est bon ou pas? Prêt à être transféré? Toujours pas. Mais alors, du coup, il est content, lui? Et toi, tu vas bien? Oh, il est content. Parfait. Tout va très bien. Tout va très bien. Et on n'aura plus qu'à prendre le dernier. Je sais plus s'il y en a qu'un ou deux. Je sais. Non, un seul. Ici, ça donne quoi? Ok. On a ramené du Diplo. Uranium, salut. Apatosaur, il nous reste encore Camara. Apatosaur, Diplo de plus. Let's go, les gars. On fait ça. Synthèse. Non, c'est pas toi, c'est extraction. Extraction. Ils iront se reposer après. Vous, c'est pas la fête du slip. Vous repartez, les gars. Action, réaction. Il y avait du diplo de cus ici aussi. Par contre... ouais, il me faut encore 8. Donc, bah, je vais renvoyer les mêmes. Hop. Let's go, les gars. Vous irez en pause après. Et ensuite, Styracosaur, EO machin, Mayazora, Parastyra, EO machin. On n'a plus beaucoup de choses ici. Ouais, là il n'y a rien. Bref, qu'est-ce que je peux faire au niveau des recherches? Parce que t'en as quand même qui sont nuit. Qui s'ennuient. Électrique, j'ai un nouveau truc. Ah, ben voilà. Voilà. Distribution de l'électricité renforcée. Permet de distribuer l'alimentation sur une plus grande distance. Ah. Électrique alternative. Permet d'éviter l'accumulation de pylônes. Il suffit de les relier ensemble pour créer des réseaux électriques plus vastes. Amélioration de technologie, bien sûr. Amélioration. Ça. Je veux. Voilà, vous faites rien. C'est pas la fête non plus. On n'est pas là pour se tourner les pouces, les cocos. Hop, et toi, tu vas être transféré, mon petit. Par point aérien, bien entendu. Sinon, les vélociraptors, ils vont ne faire qu'une bouchée de toi. Loupé. Mais pourquoi je suis bête comme ça dans ma vie? Non, je suis pas d'accord. En tout cas, sa sortie, elle est trop bien. J'adore. Par contre, Pépère, tu vas te faire dézinguer. Regarde-le, le vélociraptor, il a... Ah, j'ai juste envie de voir ce que ça donne. Oh non, le pauvre, il va se faire bouffer. Je suis trop méchante.
Oh non, il va se faire déglinguer. Ok, donc il va se réveiller, il l'a vu là, ça y est. Il l'a sorti. T'es où? T'es qui? T'es quoi? Pourquoi? Pourquoi? Regarde, regarde, regarde. Hein? Ils s'en foutent. Ah, ils s'en foutent. Ouais, mais non, 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 il va se faire bouffer, le pauvre. Oh non, je suis trop méchante. Faut que j'aille le sauver. Active-toi. Capture. Tâche. Vous faites quoi, les copains? Vous faites quoi? Et ils ont bugué ou quoi, là? Tu fais quoi? Tu danses? Ah, ah, bah, il l'aime pas. Ah, ah, il l'aime pas. Non, 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 tu ne le chasses pas. Bon, ils y arrivent à lui tirer dessus ou ils font quoi, eux, là? Oh, il est mignon, lui. Sinon. Endormez-le, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Mais ça va, en vrai, il va pas le tuer. Il regarde ce qu'il fait, l'autre. Et il va pas le tuer, en vrai. Mais il va se noyer, là. Oh, oh, l'autre, par contre, là, il va peut-être pas le laisser... Oh, lui, il est pas d'accord. Eh, hey, mais vas-y, c'est des bras cassés, ceux-là. Je vais le faire moi-même, si ça continue. Ah, quand même, non? Dans l'eau, ils peuvent pas... Eh, vas-y, sérieux? Attends, attends, attends. Laisse-moi faire. Comment on fait? Non. Contrôle direct. Ah, ça y est, quand même. Purée, il a fallu que je m'énerve, là. Oh. Il s'était presque fait, des copains. Désolé, les gars, je vous enlève votre nourriture. Ah, lui, il a vu la chèvre. Allez, salut la chèvre, il n'y a plus personne, allez. Mais ça va, personne ne l'a mangé, je pensais trop qu'il allait se faire éclater, mon petit. Mais ça va. J'en suis où? Au niveau des fossiles, comme ils sont super rapides, je suis sûre que, bah voilà, c'est fait. Diple de cus, diple de cus, diple de cus, diple de cus. À vendre. Et du fric, et du fric. On va mettre ça, ça. Allez hop, c'est parti pour le diplôme de Gus. Et on va mettre extraction. Let's go. Après les rances, au dodo. Bah expédition, je crois que j'ai fini. Hein. À ce niveau-là, au niveau du diplôme de Gus, je crois. Ça c'est quoi? Para, para. Chunko, je sais pas quoi. Maitria. Procerato, nanana, j'en ai pas assez de toute façon. Succominus, Majung. Ah, là j'ai pas fini. Diplodocus, let's go. Allez, et hop, les deux comme ça, ils iront au repos après également. La cible voilà. A été récupérée. J'en suis où en vrai dans les autres. Alors là. Donc, Apatosaur et Camara, ils sont prêts. Est-ce qu'ils aiment... C'est où que je vois? Ils aiment les braques. Ils aiment... Oh non! Ils aiment pas les sauropodes! Ils aiment pas les Apatosaurs! Oh, fait chier! Et eux? Bah, ils aiment pas non plus les sauropodes, comme ça. Mais... Où est-ce que je vois si c'est vraiment un... Putain, faut que je fasse deux enclos. Bah du coup, eux, ils aiment bien les petits ou pas? Ça c'est quoi? Ils sont où? Les Dryosaurus, c'est censé être quoi? Ça c'est des... C'est des quoi? Je sais même pas ce que c'est comme truc. Je sais même pas comment ça s'appelle.
Bah, on va dire qu'ils s'aiment bien. Le camarade, je vais le mettre avec eux. Allez. Vorace. Non, il est pas vorace. Il aime tout le monde, lui. Hein. À part les sauropodes, comme par hasard. Non, mais... Forêt, feuille en hauteur, noix en hauteur. Ah ouais, lui, par contre, il va casser la tête. Et lui, feuille en hauteur. Forêt. Donc, je vais peut-être plutôt mettre eux avec les petits. Et je vais refaire un grand enclos pour lui. Ils aiment tous le braque, et évidemment, je n'ai pas de braque. On va faire lui, il y a moins de trucs à mettre. Feuille et forêt. Feuille et forêt. Et on va mettre... Synthèse et bien-être. Apatosaure. Et du coup, on va pas en mettre beaucoup. Et je vais refaire un autre enclos. Ouais, bébé, tu te calmes, hein. Ça suffit, hein. Et tu cries comme ça. Contrôle de routine requis. Ils font quoi, eux? Ils en ont marre de se faire éclater, c'est ça? Ils arrivent, ils sont là. Sur le retour, non? Va faire ton contrôle. Je ne sais pas quoi faire. Du coup, on va en faire un ici, hein. Ici, ça me paraît bien, juste derrière ça. Un enclos. Let's go. Hop là. Et en plus, c'est un peu en hauteur et tout, ce sera pas mal. Du coup, là, je vais faire passer des pylônes. Ça ne me dérange pas. Voilà. Je vais mettre... En fait, il est trop stylé, l'enclos, comme il est. Je vais mettre ici un point de... Bon, attends, déjà, je vais mettre ça. Là. Je vais mettre... Et évidemment, je ne peux pas. Je vais foutre là. Avec un chemin, parce qu'ils vont me casser la tête, sinon. Et... une porte, ça peut être utile. Ça peut être pas mal, une porte. Hop. Qu'est-ce qu'ils voulaient, eux? Attends. Déjà, ici, je vais mettre... Merde, je ne sais plus ce que c'était. Des noix en hauteur, des... Ah ouais. Il n'y en a qu'un. Super. Hop, je vais foutre tout le monde en repos parce que là ils en peuvent plus dans leur vie. Je leur avais promis. Allez, de toute façon, va te reposer, va te reposer, va te reposer, il va te reposer. Tout le monde est occupé, voilà. Alors les amis, je vous propose qu'on s'arrête ici pour cet épisode parce que on a bien avancé quand même. Hein. Regardez, on a presque 4 étoiles et demie. Donc c'est plutôt cool. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi on voit plus les... Hop, voilà les objectifs. Du coup, décroche une note. On n'y est pas encore. On a 8 espèces sur 10, il y a la 9e qui est en cours de création, la patosaure, que je mettrai dans cet enclos. Et là, je suis en train de construire un enclos pour le Camarasaurus. Et je pense que on va s'arrêter là, comme ça on gardera ça pour probablement le dernier épisode de la théorie du chaos, parce que je pense que juste après ça, ce sera terminé. Ou pas, je dis peut-être des bêtises. Donc, eh ben, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un max de pouces bleus, à partager la vidéo, à en parler autour de vous. Et puis surtout, à vous abonner, comme ça, vous ne louperez pas la suite de ce Let's Play. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cet épisode. Bye!